Allez, de retour à Minsk en Biélorussie avec la place désormais pour la Corée du Sud, Kim Hae Jin. Kim Hae Jin qui se présente sur la glace et qui va aller tenter d'aller chercher le score de chez les Pen. La Russe pour l'instant leader. Elle est âgée de 14 ans, actuellement 7e. Écoutez, a priori, ça devrait être la même musique d'ailleurs que chez les Pen, entendu précédemment. Effectivement, je confirme. La comparaison sera donc facile. Mengelson. La sud-coréenne Kim Hae Jin qui a eu des débuts tellement difficiles dans sa jeune carrière pour le moment, puisque lors de ses débuts internationaux junior, elle s'est blessée sérieusement au niveau du pied, et ce qui l'a simplement écarté des patinoires pendant un petit moment, et elle a pu revenir. Elle a aujourd'hui 2 titres nationaux chez les juniors à son actif. Et elle aussi progresse beaucoup, même si là sur son programme elle a eu quelques difficultés. On a vu une chute, elle a fait un peu de luge sur la glace, comme dirait Géraldine Ponce. Oui, quelques petites difficultés, mais encore une fois, le contenu technique proposé est quand même assez convaincant, avec un triple-triple également. Triple-piqué, triple-piqué. Et des triples loots. Là, on voit le triple salco.
Alors c'est pas encore aussi brillant que le patinage que nous proposait sa compatriote Yuna Kim, championne olympique à Vancouver en 2010. Le beau triple Lutz en combinaison avec le double boucle piqué. Mais en tout cas, en attendant l'éventuel retour de Yuna Kim, même si rien n'est confirmé dans l'optique de 2014, la Corée se dote d'une patineuse plutôt performante. Juste devoir trahir le triple boucle. Elle a fini 3e cette année lors du Grand Prix de Roumanie, 5e en Australie. Première lors des Jeux d'hiver de Nouvelle-Zélande. Il devrait passer derrière chez les Pennes. Oui, ce sera pas suffisant. 98-15, c'est moins bien que la Russe que nous avons vue précédemment. Chorégraphié par Miyamoto. Quoi, le fond est bien puisqu'il s'entraînait auparavant à Lyon. La deuxième place provisoire pour Hae Jin KIM.